Okay. Tu l'attendais. Ça, c'est petit. Coup d'envoi de cette 16e journée de Top 14 et l'équipe de... Beaucoup de petits détails qui ont gêné et qui ont donné envie à M. Marcelo de siffler cette pénalité. Hop là, petit crochet d'Adams, attention, Adams qui a pris le trou. Adams qui rentre à l'intérieur des 22 mètres, il cherche une solution qui ne vient pas. Ah, il a manqué 2 mètres. En termes de match, les Girondins, ils gardent bien ce ballon, ils le conservent, ils ne font pas de faute. Clarkin, contact là, et un gars qui est parti au tapis, c'est un coup d'épaule, ce ballon. Ouais, la passe de peur, c'est bien joué, on avance là. Encore une fois, maîtrise des Bordelais, même sur les ballons portés. Avei, la toupie. Oh, Avei, regardez, qui perd le short, mais qui ne perd pas ses appuis. Adams, là maintenant, juste à hauteur, bien joué, il y a le mouvement, du mouvement dans la ligne, dommage. Il calme toi, mais il ne marque pas. Alors attention. Allez, Bordeaux à l'attaque. Hop, la longue passe. Ouais, il a conservé le ballon, Rey, c'est bien joué pour Rihanna. Rihanna qui rentre dans les mains de maître, Rihanna. Ouais, qui n'a pas pu retrouver le soutien de son ailier, que c'est dommage. Carvalho a appelé le ballon. On va pouvoir rejouer avec Connor cette fois-ci, l'Australien qui est plaqué. On a vu que ça pouvait être très dangereux. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont contre-attaquer depuis l'intérieur de leur 22. S'il a passé en avant, c'est dommage. Aïe. Il n'y a pas beaucoup. L'introduction pour Radoslav Levic qui va écarter pour Brock James. Oh, pour Russell qui crochet, Russell au crochet à nouveau. Oh là là, 5 mètres de la ligne des Bordelais. Radoslav Levic. Ah, c'est bon ça, c'est bon. Il y a son nom, moi. Dexter là-bas, il l'a vu, putain, il va passer. C'est buteur. Il marque. Oh, que c'est bon. Magnifique. Oh, que c'est bon. Ils se font déborder. Alors, où est-ce que ça pêche? Déjà sur le premier plaquage. Sur le premier plaquage, on manque. Deux plaquages sur Russell qui avancent de 15 mètres, le ballon sort vite et sur le renversement, là on voit la fin, on voit Butin qui accélère. Oh, dégagé. Mais là ça va tomber dans les mains de Sylvie Vatou, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Attention parce que là, King a pris le trou, hop la passe, non, ça sera pour personne. Et Adams qui va vouloir, il va essayer de remettre les gaz, remettre la marche avant. Commence à relever. Non, pas l'ancienne, on va dire. On a vu les premières ligues. Oula, attention, parce que là, il est passé André Malili. Malili, qui va être repris. Mille extrémistes. Il faut à prendre et à recoller au score. Ça me paraissait quand même aussi très intéressant. Allez, 3 minutes 30 à jouer dans cette première mi-temps. Le ballon qui a été pris par Matthew Clarkin avec Forbes. Ils sont à 5 mètres de la ligne de Clermont. Les joueurs de Bordeaux avec Avi. Vous savez que quand vous avez Avi, c'est... Allez, attention, parce que là, on va enchaîner encore une fois avec Clarkin. Et là, on défend comme on peut. Côté Clermont, qui est sur les talons avec Malili. Malili, bien plaqué. Ça défend bien. Bonne défense, le Clermontois. La remise à l'intérieur pour Connor. Connor qui a été pris à quelques centimètres de la ligne. Adams. Non, il n'y a pas de l'avant, dit monsieur l'arbitre, pour Avi. Et le Samoan qui a peut-être passé la ligne. Non. Et le public qui pousse derrière, c'est Bordelais qui n'ont plus que quelques centimètres à faire pour passer la ligne. Adams qui attend le soutien de ses gros pour peut-être relever la balle avec. Peut-être la relever cette balle avec Joyac. Joyac qui va essayer d'y aller tout seul. Et le jeune deuxième ligne qui ne parviendra pas à passer la ligne. Allez, ça se rapproche. Dans le fermé peut-être, dans le fermé, oui, Forbes. Oui, Forbes a marqué. Oui, c'est marqué. C'est marqué. Je vais entamer la question de M. Massiello. Moi, je suis certain que Forbes a marqué. Oh, oui, il n'y a rien à dire. Magnifique. Magnifique. Et on voit l'attitude des joueurs. Okay, déjà tu me dis la c'est bien ça. Hein là, ça reprise du temps. Et c'est accordé. Et l'équipe est en congé parce qu'ils jouent, parce qu'ils aiment. Et attention au contre. Ils aiment jouer. Oui, mais attention, il ne faut pas faire n'importe quoi. Exactement. Il faut jouer, mais il faut respecter aussi le jeu. Et c'est vrai qu'il y a peut-être la possibilité de prendre 3 points. Parce que la sanction, ça peut arriver vite. Ouais, la passe de Sylvie Vatou pour Butin. Jean-Marcel Butin, le coup de pied par-dessus, le Butin. Attention, le rebond sera-t-il favorable? Non, Clarkin est revenu. Comme un... Mouvement de hanche. Alors attention. Allez, ce ballon. Et il faut que. Sylvie Vatou passe à travers. Il est passé. Attention, Sylvie Vatou. Oh, aïe. Sylvie Vatou, la passe aveugle, extérieure. Bien joué, putain. Oh, que c'est bien joué. Avec la remise. Oh là là là. Là, c'est la panique. Et on avance toujours avec Elvis Vermeulen. Petit à petit, on porte le ballon. Cette fois-ci, on va donner un peu d'oxygène au ballon. Et le drop réussi.
réussi par David Skrela. Et j'ai envie de dire moindre mal pour les Bordelais. Ils sont à 7 points. 17-10, ils ont encore le point de bonus défensif. La victoire s'éloigne. Puisque même un essai transformé les ramènerait que. Non, ce serait qu'un match nul. Regardez, s'il va tout. Ouais, ce sont des lames, des armes et des lames que vous avez dans votre. Et là, il joue bien le coup, King aussi. Ouais, oui, c'est fini. La sirène qui vient de retentir ici. On va dégager. En touche. Et bien voilà, c'est terminé. Victoire de l'équipe de Clermont. Victoire difficile. Il a fallu batailler. Regardez, regardez, c'est physique. Clermontois épuisé, victoire 17-10. Ils sont contents, les Clermontois. Et ils sont heureux de leur coup. 17-10 face au promu.